Alors, nous sommes en live. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde et surtout d'avoir dédié votre temps pour ce live que je suis sûr va vraiment changer le cours de votre business. Et comme vous avez vu dans l'invitation, certainement que vous avez reçu soit sur Facebook, soit dans vos WhatsApp, nous allons parler de stratégie, nous allons parler des techniques. Donc, juste à la sortie de ce live, vous allez avoir des informations qui vont certainement vous être utiles. Je ne veux pas être seul dans cette présentation. Je serai avec mon collègue Russell qui est expert, n'est-ce pas, en stratégie. Tout à l'heure, je vais lui laisser la parole, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux se présenter. Alors, comme je disais, vraiment restez dans ce live du début jusqu'à la fin parce que nous allons vous montrer des choses pratiques. On va parler vraiment très peu de théorie. Nous allons parler beaucoup de pratiques. Nous allons vous montrer des choses sur Facebook. Nous allons vous parler de stratégie. Nous allons vous montrer des extensions qui vont vous faciliter vraiment la vie. Nous allons vous parler de growth hacking. Donc, des techniques que j'en suis sûr, vous n'avez pas encore vues et qui pourtant sont le futur du marketing digital. Non? Donc, quel que soit vraiment votre objectif à atteindre cette année, en 2022, en ligne, vous pouvez être sûr que nous allons, n'est-ce pas, vous aider. Et nous avons une surprise à la fin, vraiment une annonce très, très importante pour ceux qui vont décider de nous suivre, surtout dans notre formation. Donc, ne manquez pas une seule minute, n'est-ce pas, de ce live. Alors, sans plus tarder, je vais passer rapidement la parole à mon collègue Russell qui va commencer, n'est-ce pas, avec le premier argument de ce live qui est comment publier, n'est-ce pas, sur Facebook. Il va parler des publications sur Facebook et surtout de l'algorithme. Comment maîtriser l'algorithme peut vraiment booster vos publications. Merci beaucoup, coach Emmanuel. Peut-être avant, ce sera important de me donner la possibilité aussi de partager mon écran. OK. Alors, à vous tous qui êtes connectés en ce moment, je suis très content de pouvoir partager avec vous ces différents domaines de compétences, notamment ces maîtrises en rapport avec le métier du social media marketing. Alors, très rapidement, certainement, vous demandez en fait, qui est-ce que je suis? Qui suis-je? Alors, en termes simples, si vous voyez mon écran, très rapidement, alors, comme on a dit, c'est une formation d'experts en social media. Donc, pour la plateforme d'Africa Builder Academy. Donc, en réalité, pour celui que je suis, moi, c'est Russell Wangi. Je suis expert en stratégie de marketing digital. Je suis également diplômé en marketing management depuis pratiquement 2013. Je suis titulaire de plusieurs formations en marketing digital. Oui, ça fait pratiquement près de 7 années d'expérience dans le domaine du marketing digital. J'ai également travaillé en freelance, ça fait pratiquement un an, comme community management au niveau de l'entreprise Digital Management. Je dis en fait, je suis administrateur délégué, je suis Africa Business Automation, je suis également formateur dans le domaine des stratégies de marketing digital. Vous avez certainement été invité dans ce live pour trouver la réponse à cette question importante, c'est de savoir comment toucher près de 400% de son audience sur Facebook. Comment toucher près de 400% de son audience sur Facebook. Alors, pourquoi la question se pose? Parce que lorsqu'on tient compte de l'algorithme de Facebook, son objectif, en fait, ce n'est pas de vous permettre de pouvoir avoir de la visibilité ou encore de la notoriété. Chaque jour, il change les règles, il change les formules. Tout ça dans l'objectif de pouvoir faire baisser en visibilité et en notoriété les différentes pages d'entreprise pour encourager ainsi ceux-ci à pouvoir dépenser du budget, de l'argent dans le domaine de la publicité. Mais néanmoins, vous pouvez parvenir à contenir, en fait, ces algorithmes-là, notamment ces formules mathématiques qui sont insérées avec cet objectif. Et vous pourrez être capable de toucher près de 400% de votre audience si et seulement si vous suivez de près, étape par étape, les différents éléments que nous allons devoir partager avec vous dans ce direct. Une des choses à savoir, c'est avant la publication. Qu'est-ce qu'il faut faire avant la publication? Vous n'avez pas encore commencé à publier. C'est cette réflexion stratégique qui est importante de faire. Quoi, par exemple? Bien choisir le thème de votre publication. Notamment des outils comme l'entrée du public de Kenwood Software ou encore Google Trends, pour ne citer que ceux-là, peuvent vraiment vous aider à choisir le thème attrayant, attractif, qui pourra ainsi permettre aux gens de cliquer sur votre flyer. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, chaque minute qui passe, les internets sont inondés de tonnes et des tonnes de publications. Alors, pour que votre publication retienne votre attention, il faut vraiment que vous travaillez de fond en comble le contenu. Ce qui commence naturellement par son thème. On a dit pour avoir un thème intéressant,
pourrait notamment utiliser les différentes applications et outils que nous présentons. On n'a pas le temps de mettre en évidence tous ces différents outils. Peut-être vous pourrez en quelque sorte avoir la possibilité de les approfondir dans nos différentes formations que nous offrons. Deuxième élément, c'est de mettre en évidence les bonnes techniques de copywriting. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, le copywriting, c'est là de vendre au travers des mots. Dans nos formations avec Africa Leader Academy, on aborde en détail ces différents éléments. Donc, voilà deux éléments que vous pourrez prendre en compte sans pour autant oublier le format qui doit être adapté à la publication, notamment les vidéos, les gifs, les photos et même également les tests. Rappelez-vous, il y a pratiquement près de 19 styles de publication qui existent. L'important, c'est aussi de savoir les utiliser pour avoir une publication qui pourra performer. On est encore avant la publication. On n'est pas encore au moment de la publication. Alors, quels sont les différents éléments que vous pourrez utiliser? Parlons des axes de communication qui existent. Beaucoup de gens se disent community manager, mais ils ne savent pas réellement comment faire une publication de qualité. Ou alors, quels sont les différents axes de publication à utiliser? Peut-être qu'ils sont même dans le domaine du social media. Alors, voilà ainsi quelques éléments. Vous ne citer que cela. Dans nos formations, nous abordons avec nos différents candidats de fond en compte toutes les différents types de publications qui existent. Elles sont regroupées en quatre catégories. L'axe entreprise, l'axe engagement, l'axe de vente, mais aussi l'axe expérience. Dans l'axe entreprise, par exemple, on peut parler des storytelling, d'événements, l'histoire de l'entreprise, et même les marques employeurs, les co-branding. Vraiment, les éléments sont énormes. Axe engagement, beaucoup disent aujourd'hui, par exemple, le mot motivation. Ou alors, ils disent bon début de semaine, bonne journée. Mais en réalité, ce n'est pas le seul élément pour susciter de l'engagement au travers de vos différentes publications. Comme on l'a dit, la liste des styles de publication, d'éléments que vous pourrez utiliser pour susciter de l'engagement, pour que vos publications soient performantes, c'est vraiment, vraiment énorme. Dans nos différentes formations avec nos candidats, étape par étape, point par point, on montre en évidence les différents éléments et même ce que ça signifie. Là, devant, vous avez l'inbound, vous avez l'adborn, vous avez par exemple les nouveaux produits, vraiment toutes ces différentes techniques de marketing que vous pourrez utiliser pour pouvoir avoir des contenus qui performent en même temps de qualité. Maintenant, pendant la publication, qu'est-ce que vous devriez faire pendant la publication? Vous avez par exemple défini le thème, le visuel, le style de format et même également l'axe de communication que vous allez devoir utiliser. Maintenant, vous êtes sur le point de publier. Quels sont les paramètres à prendre en compte? Premièrement, c'est de bien choisir l'heure de publication. On va revenir sur cet aspect sur le plan pratique. Comment vous pouvez déterminer l'heure de publication pour que votre contenu puisse toucher le maximum de votre audience? Il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas, par exemple, du week-end, en fin de soirée, le matin, à midi, parce que les heures de publication ou encore les heures de grande audience dépendent de chaque page que vous gérez. Chaque page a son heure où, par exemple, l'audience est le plus souvent connectée. Et c'est cette heure-là qui est bien utilisée pour pouvoir faire de la publication. Autre travail à éviter, par exemple, ce sont les pièges à clics, des liens externes qui redirigent vers d'autres plateformes en dehors de Facebook. Également important de ne pas encourager les gens à liker, à commenter, voire même à partager vos différentes publications, etc. Parce que ce sont les différentes thèmes ou formules que l'algorithme recrasse. Et une fois en quelque sorte qu'il reconnaît ces mots dans vos différentes publications, vous allez ainsi baisser en visibilité. Troisième chose à faire pendant la publication, faites une description détaillée. Pour quel objectif? Pour encourager les gens à rester le plus longtemps possible sur la publication. Ah oui, ça également, ça fait à l'algorithme. Lorsque quelqu'un clique, il déroule, il voit en fait quel est votre contenu. Ce que vous avez dit, c'est très encourageant. Et l'algorithme vous donne des points. Lorsque quelqu'un like, par exemple, votre publication, vous avez un point. Lorsqu'il commente pour un commentaire court, vous avez 6 points. Et même lorsqu'il partage, vous gagnez en fait 13 points. Et lorsqu'il fait un commentaire long, détaillé, vous gagnez 13 points. Et vous comprenez en fait que maîtriser le fonctionnement de l'algorithme vous permettra certainement de pouvoir augmenter votre visibilité et même de toucher près de 400% de votre audience sur Facebook. Alors, très rapidement, je vais maintenant demander à mon confrère. Alors, petit Manuel, s'il te plaît, si tu es connecté, je vais en quelque sorte avec un aspect pratique relatif à la formation parce que beaucoup demandent comment alors faire pour savoir quelle est l'heure de grande audience à laquelle les gens sont le plus souvent connectés. Bon, s'il te plaît, tu peux partager ton écran. Merci beaucoup. Alors, remarquez ce qui se passe. Première étape, vous allez sur votre page que vous gérez. Quand vous allez sur votre page que vous arrivez, vous allez voir la partie Insight. C'est une nouvelle fonctionnalité il y a quelques années que Facebook a mis en évidence pour vous permettre de pouvoir auditer mieux votre contenu
et même de faire des analyses au sujet du comportement de vos différents abonnés. Une fois que vous avez cliqué sur Audience Insight, sur la partie des publications, vous allez certainement aller sur l'onglet Voir tout et vous allez arriver sur la partie statistique de la page. Quand vous allez sur statistique de la page, vous allez cliquer sur Publication. Remarquez, je vais juste lire. Quand vos fans sont en ligne, Facebook fait le travail à votre place, ils analysent votre page et ils vous donnent en fait les différents domaines dans lesquels vos fans sont le plus souvent connectés. Et même le style de publication qui performe. Voici quelques expressions. Le jour, l'heure auquel vos fans sont le plus souvent connectés. Rappelez-vous par exemple, pendant des heures, vous avez vu cette courbe-là? Ça montre en évidence à quel moment vos fans sont le plus souvent connectés en ligne. Et lorsqu'il y aura le pic, et c'est là que vous allez garder à l'esprit que vos fans sont le plus souvent connectés. Là, on a un pic le jeudi à midi. On a pratiquement près de 286 personnes qui sont connectées en ce moment. C'est l'heure à laquelle notre audience est le plus souvent connectée. Donc, à midi le jeudi, en fait, si je veux faire une publication qui performe, c'est le jour le plus idéal. Sans pourtant garder oublier qu'il y a également d'autres heures en fonction des jours de la semaine qui correspondent. Alors, un détail important, on dit que ces données affichées pour une période récente d'une semaine, les statistiques pour l'heure de la journée correspondent au fuseau horaire du Pacifique. Alors, c'est simple, c'est seulement la conversion heure du Pacifique, vous faites la comparaison avec votre pays dans lequel vous vous trouvez, vous aurez ainsi l'heure auquel votre audience est le plus souvent connectée. Donc, par contre, si on fait le cas au Cameroun, ça fait midi, 12 plus 9 heures, ça donne 21 heures, l'heure à laquelle notre audience est le plus souvent connectée. Vous comprendrez, mais vous comprenez maintenant pourquoi c'est à pratiquement 21 heures, une heure avant, qu'on a choisi en fait de faire ce live. Parce que c'est justement l'heure à laquelle notre audience est le plus souvent connectée. Donc, on a donc de très fortes chances de retenir un maximum d'attention de la part de beaucoup de nos différents abonnés. Merci beaucoup hein, pour le partage de la publication. On va maintenant revenir sur le post pour voir un facteur important, celui de savoir comment est-ce qu'on peut faire maintenant après la publication pour toucher, on a dit, pratiquement près de 400% de notre audience. Comment on fait pour parvenir à toucher ces 400% de notre audience? On est maintenant sur la partie après la publication. On vient de voir ce qu'il faut faire pendant la publication. Maintenant, après la publication, le travail n'est pas fini. En réalité, vous-même, vous devriez liker votre propre publication. Que ce soit avec votre page ou alors avec votre propre compte personnel. Vous devez également partager la publication sur votre propre profil personnel. Vous devez écrire des commentaires détaillés. J'insiste sur l'expression détaillée parce qu'un commentaire détaillé qui oblige l'internaute à cliquer pour voir vous permet d'avoir 13 points. Et même également taguer les gens pour les encourager à commenter votre publication. Vous pouvez également faire des commentaires sous forme de questions. Parce qu'en faisant un commentaire sous forme de questions, c'est ainsi les gens à pouvoir répondre, à pouvoir participer. Et en ce moment, vous allez ainsi maintenir une discussion avec les internautes dans la partie des commentaires. Et là, vous avez un maximum de chances de toucher près de 400% de votre audience. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que rappelez-vous, lorsque vous faites une publication, Facebook ne manque pas votre publication à vos 2000 abonnés. Non, bien au contraire. C'est ce que vous pensez, il faudrait vraiment que vous enlevez ça de votre esprit. Mais uniquement à 1% de votre audience. Maintenant, c'est en fonction de leur réaction par rapport au premier moment de la publication que Facebook décidera soit d'augmenter la visibilité, soit de faire toucher plus de personnes, ou alors de faire baisser votre notoriété ou même votre visibilité. Vous comprenez ainsi qu'il est important de pouvoir, après la publication, ne pas croiser les bras, mais réagir le plus rapidement possible en likant soi-même sa propre publication. Bref, mettant en application les différents éléments que nous venons d'aborder. Est-ce que la formation dans le social media marketing est vraiment intéressante? Est-ce que ça peut vous permettre, une fois formé à Free Capital Academy, de pouvoir vous prendre en charge, de pouvoir exercer ces différents métiers que les gens racontent aujourd'hui, le digital? C'est quoi mes mots juste en fait? En réalité, juste avec votre connexion Internet, avec une machine ou un téléphone portable, vous pouvez gagner votre vie. C'est possible. Mais une condition, que vous puissiez avoir la matière grise, que vous puissiez avoir de la connaissance. Un peu comme maintenant qui suis expert dans le domaine des stratégies de marketing digital. Je vends ma connaissance au travers des formations en ligne dans le compte d'Africa Capital Academy, où les gens peuvent ainsi, à la fin de la formation,
avoir des métiers comme être community manager ou en freelance pourrait avoir un salaire de pratiquement 2 000 à 3 000 euros. Peut-être que ça paraît un peu bizarre. 2 000, 3 000 euros, est-ce que c'est possible? C'est vrai que les coûts sont pratiquement relatifs dans le contexte européen. Imaginez que vous êtes un directeur, vous avez une entreprise en Europe, à l'extérieur. Vous avez la possibilité, par exemple, d'obtenir un community manager qui est situé dans une autre région, dans un autre continent. Et là, le coût en matière de main-d'œuvre est faible que de recruter quelqu'un en interne pour le payer 3 000 parce qu'il vit dans le continent européen. Vous préférez certainement payer quelqu'un qui est situé dans un autre continent, mais qui peut faire le même travail que la personne en interne. Et ce, à un coût vraiment plus faible. Que choisirez-vous? Certainement la deuxième option. Et c'est justement pourquoi le travail aussi en freelance est fortement recommandé pour les personnes vivant dans un contexte africain. Ce n'est pas le seul métier, il y a également le social media manager qui est légèrement différent du community manager, notamment sur le plan hiérarchique. Par contre, le social media manager va définir la ligne éditoriale et va ainsi donner les différents éléments au community manager pour que celui-ci puisse s'appliquer. Bref, dans nos formations Africa Leader Academy, on met en évidence étape par étape. C'est une formation en fin de compte qui vous permet de devenir non pas un community manager ou alors un social media manager, mais de devenir un professionnel, un expert dans le social media marketing. Et vous pourrez ainsi m'expliquer votre propre agence de marketing digital. Parce qu'il existe toute une plateforme avec des contenus de formation qui sont vraiment diversifiés, que ce soit les mails marketing, que ce soit par exemple les formations relatives au tunnel de vente, que ce soit la formation en community manager, que ce soit la formation dans le copywriting, dans le growth hacking, dans les stratégies de closing. Bref, vraiment, la liste en matière des modules de formation qui existent dans la plateforme est vraiment diversifiée. Vous aurez certainement la possibilité de jeter un coup d'œil parce qu'on va envoyer le lien juste en commentaire et vous pourrez ainsi parvenir à pouvoir consulter pour voir en quelque sorte comment ça se passe dans la formation avec Africa Leader Academy. Et même, vous verrez les témoignages de nos différents candidats, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui après être formés chez nous. Donc, voilà en quelque sorte, pour ne citer que ces quelques éléments, hein, compte tenu du temps, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de débouchés. Vous pourrez ainsi, en quelque sorte, obtenir après vous être formé Africa Leader Academy, formation dont nous encourageons fortement à pouvoir l'apprendre. On va un peu aller en ligne pour faire quelques vérifications. On va aller dans ce site. Ce n'est qu'un seul site d'offres d'emploi pour essayer de voir si ce qu'on disait tout à l'heure est vrai. Parlons des formations, parlons des débouchés relatifs au métier du social media marketing. Alors, je suis par exemple sur le site de Endai, c'est un site de freelance. On va en quelque sorte essayer de parcourir les différents métiers qui existent. J'ai tapé simplement social media marketing. Je vais dérouler pour voir les différentes propositions qu'on me fait et aussi le coût. Par exemple, là, directement, je tombe sur une publication de Community Manager où le montant mensuel, remarquez, c'est 1 000 euros par mois. Après 6 semaines de formation intense, vous êtes professionnel dans le domaine du social media marketing et vous pourrez ainsi postuler à ce poste en freelance pour pouvoir décrocher ce contrat. Et vous aurez toutes les ressources nécessaires. C'est une publication qui date il y a 30 jours. Celle-ci date, a été publiée à l'instant même. Donc, pendant que nous sommes en train de parler des formations relatives dans le domaine du marketing digital, et ces débouchés, les gens sont en train de rechercher des personnes qui sont prêtes à l'emploi, qui ont des compétences, que ce soit junior ou senior, pour exercer dans ces différentes activités. Donc, vous remarquez vraiment que la liste, elle est vraiment longue. Publication d'aujourd'hui qui date de 14 jours, de 2 jours, avec même à l'appui des différents prix de ceux qui veulent bien vérifier. Et remarquez, c'est près de 33 000, 137 000 offres d'emploi dans le domaine du social media. Uniquement pour un seul site d'offres. Imaginez si on prend en quelque sorte plusieurs sites, ce que vous aurez en quelque sorte comme information. Vraiment, la liste vraiment, vraiment énorme. Alors, je vais essayer de marquer un peu une pause. Je vais passer la parole à mon confrère Emmanuel pour que certainement vous puissiez mettre en évidence d'autres éléments. Lorsque je vois tous ces salaires-là, je me demande comment. Je pense à toutes ces personnes vraiment qui font
les dizaines d'heures au travail, 10 heures, 12 heures, sont des pères d'enfants, les mères d'enfants. Ils ont peu de temps pour voir vraiment leurs enfants pour des salaires de misère. Je me demande, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer vraiment dans le digital? Vraiment, merci, Coach Roussel, vraiment, pour ces éclaircissements. Alors, je vais rapidement déjà partager mon écran en vous précisant, avant de continuer, vous rappeler que ce que nous vous enseignons sont des choses que nous avons testées. Ça fait plus de 10 ans, n'est-ce pas, que je suis dans le marketing. Hein? Donc, ici, j'étais administrateur délégué ici à Milan, parce que je suis en Italie, d'une agence. Donc, tout ce que nous allons vous montrer sont des choses que nous avons testées dans la publicité professionnelle, dans c'est pas la création du contenu, la création des tunnels de vente. Nous avons travaillé ici avec des dentistes, des e-commerçants, les centres esthétiques, les centres de formation, les agences immobilières, les coachs, où on a généré, n'est-ce pas, plusieurs milliers d'euros. Donc, ce n'est pas des formations, mais des informations qu'on vous donne juste comme ça, comme dans la plupart des cas, mais ce sont des choses que nous-mêmes, on a testées. Lors des formations, on partage notre back-end avec vous, on vous montre des données, statistiques et tout, de nous-mêmes, de notre agence. Donc, ce n'est pas des choses que nous, on invente, mais ce sont des choses nous-mêmes qu'on a pratiquées. C'est ça la différence. Donc, tout à l'heure, vous avez vu les salaires énormes pour devenir, pour les experts en social media. Alors, pour être expert, vous n'avez pas besoin, en matière de publicité, vu que c'était un argument qu'on devait affronter aujourd'hui, vous n'avez pas besoin juste de booster des publications comme beaucoup le font, malheureusement. Vous avez besoin plutôt d'utiliser le gestionnaire de publicité de Facebook. Et pour cela, vous devez aller sur Google. Vous pouvez mettre business.facebook.com. Vous allez vous retrouver ici. Vous allez vous inscrire dans la formation. On vous explique tout comment vous allez faire pour vous inscrire. C'est très simple, hein, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous êtes dans le gestionnaire, c'est là que vraiment les vraies choses commencent. Je vous prends juste un exemple. Lorsque vous faites de booster vos publications, est-ce que vous avez toutes les données statistiques vraiment de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de retargetiser des personnes, c'est-à-dire de les recontacter ceux qui ont visité, par exemple, votre site de vente ou autre? Or, ici, dans le gestionnaire publicitaire, vous avez la publicité, vous avez cette possibilité-là. Par exemple, en allant ici dans le gestionnaire des événements, on va parler du pixel, notamment. Vous allez ici, prenons par exemple ce premier pixel que nous avons utilisé. Comme je dis, les choses que nous vous montrons sont des choses que nous-mêmes, on a fait. Ça, c'est, n'est-ce pas, un pixel que nous avons installé. Et le pixel, c'est juste un bout de code que vous allez installer, n'est-ce pas, sur un site qui va vous permettre de voir, de prendre toutes les données, n'est-ce pas, des personnes qui visitent ce site-là pour pouvoir le recontacter de façon vraiment ciblée. Alors ici, par exemple, voici une publicité que nous avons lancée sur une de nos formations. Comme vous pouvez voir, on a toutes les données. On sait exactement pas à pas où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils ont cliqué. Donc, on peut les recontacter vraiment de façon ciblée. Or, lorsque vous faites le booster, comme je dis toujours, c'est la meilleure façon vraiment de jeter de l'argent. Ce n'est pas tout, hein? Donc, ce n'est pas seulement le pixel, mais vous avez la possibilité ici de créer des audiences similaires, par exemple, des look-like. Donc, vous pouvez contacter les mêmes personnes qui ont acheté déjà vos produits et les recontacter, par exemple, en France, en Belgique, dans d'autres pays, vraiment de façon automatique. Parce que, comme vous le savez, Facebook nous connaît mieux que nous. Donc, il nous connaît tout, il connaît ce que nous aimons. Donc, lorsque vous vendez votre produit et que vous connaissez bien fait le ciblage, Facebook va aller vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Mais pour pouvoir obtenir ces résultats, vous avez besoin de passer dans le gestionnaire publicitaire, n'est-ce pas, de Facebook. Vraiment, dans les formations que nous faisons, nous allons vous montrer des techniques. Nous allons en particulier une technique qui a permis à deux jeunes ici italiens qui, je vous montre ça rapidement, qui en un seul jour ont pu générer, n'est-ce pas, voici bio, on vous montre ça rapidement, une technique, n'est-ce pas, qui a permis à ces deux jeunes Italiens, vous voyez, en un seul jour, 25 000 euros d'investissement en affiliation marketing. Vous voyez combien ils ont généré? 254 000. Beaucoup dorment sur Facebook, ils se divertissent, ils font, n'est-ce pas? Ils perdent le temps, ils regardent des vidéos sans savoir qu'ils sont sur un instrument qui peut complètement transformer, n'est-ce pas, leur vie. Regardez ces chiffres. Ça dit que 25 000, vous avez 5 fois plus ce que vous avez investi. Donc, vous imaginez que si vous connaissez, si vous maîtrisez ces méthodes-là, on va parler de CBO, on va vous parler de vraiment de beaucoup d'autres choses que vous n'avez presque jamais vues, n'est-ce pas, dans d'autres formations. Ça, c'était d'un, en ce qui concerne la Facebook professionnel. Et dans la formation aussi, on parle par exemple des tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est quoi? Ce sont des ensembles de pages qui vont permettre de convertir de façon automatique les clients. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils mettent un site en ligne, c'est suffisant. Pourtant, c'est pas ça. C'est-à-dire que le client doit suivre tout un processus. Et lorsque vous créez, n'est-ce pas, des tunnels,
beaucoup d'entre vous, par exemple ici, qui suivez ce live, vous êtes vraiment un produit des tunnels de vente que nous avons créés. Regardez, nous avons créé ce tunnel simple qui vous a porté jusqu'à nous. C'est pour vous montrer vraiment la puissance de cet instrument magique que tous les best players, c'est-à-dire que les meilleurs dans le marketing utilisent aujourd'hui, les tunnels de vente. Je vous montre juste le tunnel que vous avez suivi. C'est juste 3 pages que vous avez suivi. Vous êtes allé sur cette page, j'imagine. Je vous montre rapidement. Vous êtes allé sur cette page. Vous êtes inscrit. Vous avez cliqué ici. Vous êtes retrouvé sur notre page. Vous êtes inscrit. Vous êtes retrouvé sur une autre page. Et entre-temps, vos données sont enregistrées. Pourquoi? Parce que ça peut nous permettre de vous recontacter. Maintenant, mettez-vous maintenant à notre place. Vous imaginez maintenant, vous vendez vos produits, vous vendez vos formations, vous vendez vos services. Imaginez comment vous pouvez, combien de tunnels de vente vous pouvez créer. Parce que nous allons vous donner un instrument qui s'appelle Buderol, qui va vous permettre, n'est-ce pas, de créer des centaines de tunnels comme ça, des centaines de tunnels de cette façon. Donc, vous pourriez vendre n'importe quel produit. Donc, ça, c'était juste quelques éléments hein, de ce que nous allons voir dans la formation. Vous allez sortir expert. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se lance dans la formation Community Manager, mais il y a tellement de concurrence. Donc, vous devez vraiment vous différencier. Tout à l'heure, je vais revenir pour vous parler du growth hacking. On va vous parler des extensions, comment scraper les données, comment aller chercher les données, les contacts des personnes. Donc, ce sont autant d'informations que nous allons vous montrer pendant 6 semaines de formation complète. Vous allez sortir vraiment des experts. Donc, je vais repasser rapidement la parole à mon collègue qui va montrer quelques techniques comme ça rapides sur le growth hacking. Merci une fois de plus de me donner cette occasion de pouvoir partager les différentes extensions de Chrome qui permettent ainsi d'accélérer de façon rapide votre croissance sur le digital. On va en quelque sorte déjà aller sur la partie Facebook et utiliser cette extension que je vais devoir vous montrer qui va certainement vous permettre de pouvoir faire grandir de façon rapide. Oui, je dis bien rapide votre contact personnel en matière d'amitié que vous pourrez avoir sur Facebook. Et ça, c'est vraiment de façon automatique. Je vais vous rappeler qu'en fait, Facebook n'encourage pas, alors n'autorise pas les systèmes d'automation, les systèmes automatiques. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer des demandes de masse en matière d'amitié sur Facebook. Peut-être à 100, 150 personnes en une seule fois. Sinon, Facebook va certainement se rendre compte de ça et ils vont vous bloquer. Et vous allez ainsi, en quelque sorte, perdre le contrôle sur vos différentes activités. Mais par contre, il existe des méthodes pratiques, notamment des extensions, comme on l'a dit, que si vous les appliquez, vous allez ainsi parvenir à pouvoir contourner ces différents paramètres de Facebook qui vous empêche de pouvoir obtenir ces différentes visibilités-là. L'extension en elle-même, c'est Add, Reject, Find and One Click. Alors, juste un instant, hein. Il y a un souci de connexion, parce que je vais certainement vous montrer ça lorsque la page finira certainement de charger. Donc, au milieu de cette extension, il y a encore une autre extension, par exemple, qu'on appelle Image Downloader, ce qui vous permet en quelque sorte de façon très rapide de pouvoir télécharger, de pouvoir uploader les différentes images qui se trouvent sur n'importe quel site, oui, quel qu'il soit. Vous avez besoin d'une image, on vous empêche de pouvoir la télécharger. Vous ne pouvez pas l'onglet télécharger. En réalité, avec cette application, cette extension, vous pourrez en quelque sorte télécharger n'importe laquelle des images que vous désirez. Et ce, en 2 clics seulement. En fait, c'est une extension que les professionnels utilisent en matière d'experts dans le domaine social media pour pouvoir obtenir les images qu'ils aiment, qu'ils souhaitent, et ce, lorsqu'ils sont dans n'importe quel site lors de leurs différentes navigations. Je vais, par exemple, aller un peu de façon rapide avec ce site pixel.com. Vous ne voyez pas encore mon écran, ok? Il faut que je partage mon écran. Est-ce que c'est bon? Maintenant, vous voyez mon écran? Non, pas encore.
Maintenant, j'imagine que vous voyez mon écran. C'est bon, c'est bon. Comme je disais, je vais commencer par l'extension. OK, je vais commencer par pixel.com. En fait, c'est un site d'images libres de droit que vous pourrez en quelque sorte utiliser lorsque vous avez besoin des images dans n'importe quel sens. Vous pouvez monter vos propres posts, vos propres flyers en tant que social media. Vous avez par exemple la possibilité là de mettre le sujet ou alors le thème. Mais compte tenu du temps, je ne vais pas mettre le sujet ou alors le thème. Je vais juste vous montrer comment, par exemple, mettre la marketing. Je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger rapidement n'importe quelle image en deux clics sur n'importe quel site dans lequel vous vous trouvez. Alors, une fois que vous avez lancé la recherche en rapport avec votre domaine, on va sentir que ça charge. Marketing, banque d'images, libre de droit. Okay? Voilà les différentes images. Avec cette extension que je disais tout à l'heure, image downloader, vous cliquez justement sur l'extension, tout simplement. Et quand vous cliquez sur l'extension, un instant, quand vous cliquez sur l'extension, par exemple, alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dérouler toutes les différentes images qui existent à l'intérieur de la plateforme de Pixel. On soucie un peu de connexion, c'est pour ça que ça plante. Espérons que ça va prendre. Bon, voilà l'extension. On me dit que l'image dans le DR, ça, ce site. Il faut juste que ça... OK? Voilà. Donc, ça met en évidence toutes les différentes images. Vous voyez toutes les images? Je n'ai pas besoin d'aller sur une image pour pouvoir télécharger. Non, ce n'est pas ce que je fais. Je déroule simplement. Je coche ici. Dès que je coche, et à la fin, je me vais sur télécharger, tout simplement. Donc, je coche par exemple ici. Je déroule. Et à la fin, je coche sur télécharger et ça va uploader toutes les différentes images que j'ai cochées. Donc, voilà en quelque sorte une extension que vous pourrez utiliser qui pourra vous faciliter la tâche dans vos différentes actions, dans vos différents travaux en matière de community manager ou encore en matière de social media. Voilà, comme je disais. Et puis, à la fin de compte, vous téléchargez simplement. Vous cliquez ici et vous cliquez sur télécharger. Ça fait comme un clic. On déroule, on choisit les images, on clique sur download et on clique sur yes. Et en fin de compte, ça télécharge nos différentes images. Vous voyez, c'est ça qui est en train de télécharger nos différentes images là. Et après, vous pouvez essayer d'utiliser dans vos différents posts dont vous avez besoin. Tout à l'heure, on va revenir hein, pour la méthode de Bootstrap pour augmenter ainsi les différentes amis sur Facebook pour pouvoir faire un choix de façon ciblée en matière de personnes pour pouvoir avoir sur LinkedIn, évidemment, par rapport à votre secteur d'activité. Vous avez besoin, par exemple, des CEO, des coachs ou encore des PDG. Vous pouvez ainsi les sélectionner et les envoyer les différentes demandes. Cela de façon automatique et aussi en masse. En ne passant pas simplement par un élément après un élément. Donc, tout à l'heure, on va revenir sur cet aspect, parlant de cette extension, pour montrer de façon pratique comment on pourrait utiliser différentes techniques de gros hacking pour pouvoir accélérer vos croissances de façon rapide. Disons que, ou bien sinon, ça, c'est vraiment des techniques très, 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 très intéressantes. Hein. Donc, je vais montrer deux, trois techniques et vu le temps, dans tous les cas, on ne pourra pas tout vous montrer ce soir parce qu'on a tellement de choses à vous montrer. Malheureusement, on ne voudrait pas vous prendre beaucoup le temps. On va vous montrer s'il y a d'autres choses que vous voudrez, d'autres questions, posez-nous, n'est-ce pas, dans les commentaires. On va essayer, n'est-ce pas, de répondre. Ou bien, ce n'est pas l'unique live, non. Vous pouvez nous contacter. On va essayer, n'est-ce pas, de répondre rapidement à vos questions. Alors, je vais partir. En fait, juste dans le niveau des commentaires, oui. Ou quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'entrer directement en contact avec le coach, les différents experts, il a une question précise, particulière, ou alors même il a besoin d'accompagnement dans un certain domaine précis. On pourra certainement voir dans quelle mesure il a porté cet accompagnement-là. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Alors, on va vite vous montrer rapidement, comme on a dit, le fait que tous ceux qui sont là présentement, qui suivent ce live, vous devez rentrer, n'est-ce pas, avec des choses vraiment concrètes. Alors, nous allons montrer quelque chose de pratique qui va vous aider énormément. Vous savez que le contact, c'est ça. C'est déjà, quand vous avez le contact de quelqu'un, c'est comme si vous avez déjà à moitié vendu, disons, votre service ou bien votre bien à cette personne.
comme j'ai dit, ne cherchez pas seulement à vendre, mais cherchez à prendre le contact des personnes. C'est ça qui est la chose la plus importante. Or, aller chercher sur Google, copier un par un les contacts, ça prend vraiment énormément de temps. Nous allons vous montrer des techniques hein, très simples que vous pouvez également appliquer qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de scraper rapidement les données des personnes. C'est ça l'avantage du gros hacking. Voici une formule bête hein, que vous voyez, n'est-ce pas, dans mon écran, sur mon écran, pardon. site.2.facebook.com, vous pouvez remplacer, ce sont tous les variables là que vous voyez entre parenthèses, donc vous pouvez remplacer Facebook par Instagram, par LinkedIn, agence immobilière, vous pouvez remplacer par dentiste ou par autre chose, Gmail, vous pouvez ajouter également yahoo.fr, Togo, vous pouvez mettre par exemple Cameroun. Donc imaginons que nous cherchons, n'est-ce pas, les agences immobilières au Togo, donc disons que l'adresse c'est gmail.com. regardez un peu ce qui va se passer. On lance, n'est-ce pas, notre recherche. Dans cette recherche-là, on a plein d'emails, comme vous pouvez le voir. Regardez, plein d'emails. Regardez les emails en un seul clic, avec une seule formule. Alors, on va se demander comment faire pour scraper tous ces emails-là. Alors, nous allons vous montrer une petite extension magique, regardez, qui a déjà détecté 24 emails. Regardez, on clique juste là. Là, vous avez tous les emails sur cette page. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Donc, il suffit juste de copier là, ces emails-là, de le copier, n'est-ce pas? Vous pouvez le coller dans un CSV, comme ça. Et vous avez, n'est-ce pas, tout cela dans un CSV que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser pour les envoyer des offres, les vendre vos produits en très, très peu de temps. Et ce sont des emails ciblés, comme vous avez vu. Ça, c'est juste une petite, petite technique, vraiment. Je vais vous montrer encore un truc rapide. Vous savez, c'est bon d'avoir le contact, mais c'est bon d'avoir aussi le bon contact. Or, pour avoir le bon contact, une des plateformes que nous vous conseillons, c'est vraiment LinkedIn. Pourquoi? Parce que là, vraiment, vous avez les contacts ciblés. Parce que sur 4 sur 5 personnes sont des cadres moyens, donc ce sont des décideurs. Donc, si vous avez le bon contact là-bas, ça ne va pas passer par, votre offre ne doit pas passer par la secrétaire qui va jeter peut-être dans la poubelle, non. Mais ça va arriver directement chez le décideur. Et pour le faire, vous venez par exemple ici, vous faites une recherche. Par exemple, j'ai fait cette recherche-là, j'ai trouvé ce jeune-là qui est un développeur. Imaginons que je vends des produits qui concernent exactement ceux qui font, n'est-ce pas, dans le développement web. J'ai ce monsieur, je veux, n'est-ce pas, son contact. Alors, il y a cette extension qui est très intéressante, Find Anyone's Email. Vous cliquez seulement sur l'extension. Regardez ce qui va se passer. Là, vous avez tous les contacts de la personne. Si je clique ici, chou, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, je n'ai pas seulement un seul email, j'ai tous ces emails avec mon numéro de téléphone et tous ceux dont j'ai besoin direct, hein, sont des contacts directs vérifiés. Donc, vous imaginez maintenant, imaginons que vous avez 10, 20, 30, 50, 100 comme ça à qui vous envoyez, des gens qui vont vous signer des contrats de 10 000, 20 000, 100 000. Vous imaginez. Donc, ce sont quelques petites techniques vraiment de rien. Je peux vous montrer comment scraper les groupes sur Facebook, comment scraper, n'est-ce pas, toute une liste de recherches ici sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous montrer, malheureusement. Je ne peux pas. Nous allons vous montrer tout cela dans les 6 semaines de formation parce que même 6 lives comme ça ne suffisent pas. Donc, il faut vraiment des 6 semaines de formation. Que vraiment du temps, vraiment. Il faut du temps, vraiment. Donc, c'était juste 2 techniques. Je ne sais pas si, Russell, si tu n'as pas autre chose, je peux présenter rapidement comment faire pour entrer en possession de la formation. Bon. En attendant que tu parles de comment faire pour entrer en possession de la formation, je vais en quelque sorte répondre à un commentaire de quelqu'un qui demande est-ce que ce que vous dites est vrai? Oui. Notamment parlant de la plateforme. S'il te plaît, si tu peux arrêter de partager ton écran. Là, je présente rapidement la plateforme d'e-learning de formation d'Africa Behavioral Academy, où en quelque sorte, ils pourront voir de façon pratique que ce que nous disons, ce n'est pas du blabla, mais que c'est vraiment vérifié. Vous allez, par exemple, voir là sur mon écran la plateforme de formation digitale, où vous avez la partie, l'accueil du FAC, des questions, vos progrès, votre profil. En réalité, comme on disait tout à l'heure, il y a en quelque sorte plusieurs modules à l'intérieur des formations. Non pas seulement dans le domaine du marketing digital, mais même dans d'autres business également qui vous permet ainsi de pouvoir commencer déjà de façon pratique à avoir de la rentabilité en matière de soins. Notamment, comment créer et vendre des e-books, secteur, un business qui est peu connu par beaucoup de personnes. Il y a la partie de l'email marketing que je disais, une formation vraiment complète.
il y a la partie vraiment du funnel marketing. Il y a vraiment beaucoup d'autres éléments. La liste est vraiment longue et n'est pas exhaustive. Si je viens par exemple sur l'extension que je parlais tout à l'heure, image dans le dev, vous voyez que je clique dessus directement et je peux télécharger tous les différents modules, vous voyez, qui se trouvent à l'intérieur de la plateforme directe. Même cette image ici, si je clique simplement dessus et après je m'en vais sur télécharger et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'image tout simplement. Donc vous voyez en fait que ce sont des extensions pratiques, des petits secrets que si vous mettez en application, vous allez certainement devenir des experts, ah oui, des professionnels dans le domaine du social media marketing. Et en fin de compte, vous pouvez ainsi créer votre propre agence de marketing digital. Peut-être certains pourront se demander, mais comment quelqu'un qui a la possibilité avec cette connaissance, ce bagage, peut-être de travailler en freelance et gagner peut-être 1 500, 2 000 euros, peut se trouver en train de laisser ou d'abandonner pour pouvoir chercher à faire des formations et même de travailler aussi à son propre compte? La réponse, elle est claire, elle est évidente. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte, qui font en quelque sorte permettre à quelqu'un de prendre une décision pareille. Tout à l'heure, le coach Manuel répondra à cette question parce que lui, c'est un cas véritablement pratique dans ce sens-là. Il vous aidera à comprendre les différents éléments qui peuvent amener quelqu'un à pouvoir décider cela. Que de travailler, par exemple, pour une agence de marketing digital, vous êtes sur un média marketing, vous rapportez à l'agence près de 2 000, 3 000 euros, pour ne citer que cela de façon mensuelle. Et travailler à votre propre compte, créer votre propre social media marketing agency et de poser des clients à l'étranger, à l'extérieur, et qui vous donne 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois plus que ce montant, que choisirez-vous? Ça, ce n'est que pour parler de l'aspect financier, hein. Sans parler également d'autres libertés, telles que les libertés géographiques, parlant également du temps qu'on peut également se procurer lorsqu'on travaille à son propre compte. Je ne peux pas compter beaucoup de personnes qui ont laissé un emploi bien payé pour essayer de faire dans la débrouillardise ou alors travailler à leur propre compte. Simplement, c'est parce qu'ils avaient besoin de cette liberté en matière de temps. De 8 patrons, 8 messieurs, tout ça. Vraiment, c'est agaçant. Vous choisissez le jour où vous travaillez. Vous faites votre propre planning en matière de travail. Vraiment, c'est un travail free, le travail du freelance, avec la connexion Internet, sa propre machine et vraiment de la connaissance en matière de matière grise. Vous vous organisez et puis vous organisez votre temps de la façon qui vous semble juste. Merci vraiment beaucoup pour ces informations. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui suivez ce live, vous êtes vraiment impatients de voir vraiment combien coûte cette formation, comment accéder à cette formation. Alors, voici le moment est arrivé, n'est-ce pas, de vous partager, de répondre, n'est-ce pas, à toutes ces questions. Juste pour vous rappeler, comme le collègue a déjà anticipé, cette formation va vous donner accès à tout ce genre d'emplois que vous pouvez imaginer. Des emplois, comme vous avez vu, en matière de stratégie, en matière de web, community manager, c'est pas des vous n'allez pas sortir community manager, vous allez sortir community manager expert. Donc, ça, c'est même un niveau déjà, vous n'avez plus besoin de travailler pour des personnes. Même si vous devez travailler pour des personnes, ces gens, votre salaire, comme vous avez vu, ça doit être un style de salaire différent. Parce que vous avez des compétences que personne, que d'autres community managers sur le marché n'en ont pas. Donc, vous avez énormément, vraiment, le marché de l'emploi est ouvert vraiment grandement. En plus, comme on a vu dans ces formations, vous allez vraiment couvrir tout genre d'arguments, algorithmes des réseaux sociaux, ads marketing, content marketing, on va parler des axes de communication, on va parler de growth hacking, on va parler de l'automatisation marketing, on va parler de closing. C'est vraiment des choses énormes, non? En plus, on va vous donner comment faire pour être plus créatif, veille technologique, veille concurrentiel, comment être plus curieux, les livres même pour vous aller lire, vraiment, on vous donne tout dans cette formation. Et en plus, avec cette formation-là, lorsque vous ouvrez votre agence, vous avez la possibilité de travailler avec des niches high ticket. On va vous donner toutes les listes, tous les documents dont vous avez besoin, jusqu'au plus petit document. Du PowerPoint jusqu'au file que vous devez avoir, vous avez tout. Vous n'allez rien faire. Vous avez juste vraiment à appliquer ce que nous vous demandons. Alors, en plus, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la stratégie pour ouvrir votre agence, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que, comme j'ai dit, on a tout préparé pour vous. Vous devez juste appliquer ça et c'est tout. Alors, comment faire, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder à cette formation? Rappelons déjà que cette formation est partout, que vous soyez au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, parce que nous avons des gens partout, nos étudiants sont de partout dans le monde. Vous pouvez suivre cette formation et c'est applicable dans tous les business, que vous soyez dans le dropshipping, e-commerce ou autre. Alors, combien coûte une formation? Alors, je vous rappelle que ces formations que nous vous transmettons, nous aussi, on s'est formés avec des meilleurs en Europe et dans le monde.
Et ces formations, nous avons dépensé nous aussi pour nous former, comme vous pouvez voir, 2 000 euros, 3 000 euros, 1 300 euros, 500 euros. Vous pouvez contrôler, vous pouvez aller sur le net, contrôler ces formations-là et voir, nous avons le contenu. Quand vous allez venir dans le one-to-one, pour ceux qui veulent s'inscrire, peut-être que vous avez besoin de questions, vous venez, n'est-ce pas? Je pense que Russell va laisser... Il y a le lien de réservation, j'envoie le lien de réservation directement dans la partie commentaire pour ceux qui veulent réserver. Là, on va vous donner toutes les réponses à ces questions. On peut vous montrer, n'est-ce pas, ces formations, le contenu de ces formations-là. Imaginez, si on voudrait, n'est-ce pas, facturer cette formation qu'on vous donne là, c'est au moins 8 850 euros, plus de 5 850 000. Combien de personnes sont prêtes à payer ce coût-là? C'est vrai que ça va vous rapporter 5-10 fois plus que ce que nous allons vous donner dans votre agence. Vous allez signer des contrats de 1 000, 2 000 euros par mois. Ça va vous rapporter, mais... Nous savons que pour s'inscrire dans une formation de ce genre, ça va être vraiment très difficile, non? Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On ne va pas vous faire payer ces 8 000 euros, mais regardez, vous serez surpris, pas la moitié, mais regardez, on a mis le coût de la formation 500 euros, 327 500 francs. Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui vont s'inscrire, nous sommes aujourd'hui le... Russell, nous sommes le 25, hein, oui. 25 mai. Ceux qui vont s'inscrire avant le 30, dès que vous finissez ce webinaire, vous aurez une réduction de 40%. Je ne sais pas si vous imaginez. Regardez d'où nous sommes partis, de plus de 5 millions. Regardez, on est ici. Donc, profitez-en pendant que cette formation a encore ce prix-là. Donc, 300 euros, 196 500 francs CFA de prix. Pour ceux qui vont s'inscrire rapidement avant le 30 mai, parce que la prochaine section de formation commence le 7 juin. Donc, cette formation, en plus, si vous inscrivez, vous aurez droit à d'autres formations bonus telles qu'une formation des e-books, une formation des tunnels de vente, une formation de l'email marketing, déjà qui pourraient seulement, eux, être d'un coût d'au moins 200 euros. Mais vous allez avoir ça gratuitement dès que vous vous inscrivez. Et pour ceux de la diaspora, parce que bon, ils ont des coûts différents, 1 000 euros, mais ils pourront avoir les 50% eux aussi avant, n'est-ce pas, précisons bien le 30 mai. Donc, 6 semaines de formation, 2 fois par semaine, vous aurez tous les files dont vous avez besoin, des liens, que vous aurez accès à la plateforme, les vidéos déjà enregistrées, vous pourrez poser votre question, un accompagnement personnalisé. Et en plus, pour ceux qui veulent, ils peuvent payer, n'est-ce pas, en 4 fois, en 5 fois, en 6 fois, mais avant, solder le reste tout avant le 7 juin. Vraiment, c'est une opportunité immense, comme le coach Russell mentionnait tout à l'heure, ça va vous donner 3 choses dont vous n'avez, qui n'ont pas de prix, les libertés temporelles, la possibilité de gérer votre temps, liberté géographique de travailler où vous voulez, la liberté financière, de ne plus, n'est-ce pas, avoir peur de fin du mois. Et vous avez tous les moyens de paiement à votre disposition, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Donc, vous pouvez nous contacter à ce numéro ou bien au numéro, au lien que nous avons donné, n'est-ce pas, dans le commentaire pour les différentes formes d'inscription, n'est-ce pas, si vous avez une forme différente dans votre pays. Et donc, je voudrais conclure avec ça, cette citation d'Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc, si après ce live, tu es satisfait de ta vie, de tes revenus, de tes libertés, tu peux continuer toujours à faire ce que tu veux. Mais si tu penses vraiment de mériter mieux, c'est-à-dire que d'un revenu plus grand, un salaire plus grand, la possibilité de pouvoir aussi voyager, de visiter des villes avec ta famille, de pouvoir te réaliser professionnellement, d'avoir plus de temps, alors, nous t'offrons vraiment une opportunité immense, une méthode copier-coller que tu vas juste répliquer. Donc, rappelons-nous, avant de finir, nous avons juste quelques places, parce que normalement, c'est 20 places, mais malheureusement, il y a déjà des inscrits. Donc, faites tout pour réserver, appeler, parce que nous ne savons pas si le moment où vous allez appeler, s'il y aura encore des places, parce que nous prenons juste 20 par section, parce que nous vous suivons personnellement. Donc, si nous sommes plus de 20, nous sommes des humains, ça serait difficile de pouvoir vraiment vous suivre. Donc, profitez-en vraiment de cette immense opportunité que nous vous offrons. Je ne sais pas si, Russell, tu as un dernier mot. En fait, c'est simplement pour rappeler à la personne qui est en train de commenter que lorsqu'on demande de s'inscrire, ce n'est pas de dire qu'il faut payer la totalité, mais au moins de donner un engagement qui montre en fait que vraiment on est disponible pour participer à la formation, quoi. C'était par rapport à ça. Et aussi, il faut garder à l'esprit que notre particularité, en fait, c'est l'accompagnement. Parce que rien ne sert d'avoir une formation sans accompagnement. Parce que les individus sont différents. Le niveau n'est pas le même. C'était un niveau, par exemple, de master, doctorat.
Il vient de se former dans le domaine du marketing digital. C'était un niveau un peu déjà même avancé. Or, par contre, grâce à l'accompagnement, on vous aide ainsi, étape par étape. Peut-être vous avez déjà une activité en vous donnant les différentes stratégies qui ont marché pour le compte de nos différents clients que nous avons au sein de notre agence de marketing digital. Donc, on va reprendre maintenant à quelques questions. Il y a Patrick, par exemple, qui demande si est-ce qu'avec cette formation, on peut travailler à l'international, Emmanuel. OK, je vais juste lui répondre avec un fait. Nous avons une de nos étudiants qui s'appelle Esther, qui n'a pas encore fini la formation, mais elle a déjà un client au Canada. Donc, je pense que j'ai répondu rapidement à sa question. Donc, vous pouvez travailler partout. France, Belgique, partout où vous voulez. C'est-à-dire, sans finir la formation, elle a déjà un client qui va lui facturer, je pense, dans les 400 000 francs chaque mois. Vraiment, excellente formation. Merci beaucoup, Amadou, pour des appréciations en matière de formation de créer au niveau. Merci beaucoup. Également, Thierry qui dit que vraiment, le contenu est super. Merci, merci beaucoup à vous tous pour avoir sacrifié de votre temps pour écouter ce player. Donc, juste au niveau des commentaires, vous aurez la possibilité d'avoir les contacts personnels pour poser des questions particulières si vous voulez encore d'autres détails. Mais n'hésitez pas à parcourir le lien de la page relative à la formation parce que c'est là où vous aurez la majorité des réponses à vos questions, notamment la possibilité de payer à tranche. Est-ce que c'est possible de pouvoir payer par mobile money? Ah oui, la réponse, c'est oui. Les différents modules de formation qui seront abordés. Comment va se dérouler la formation? Vraiment, toutes ces questions sont répondues dans le lien qui se trouve juste au niveau du commentaire. Merci vraiment. Merci vraiment beaucoup, Russell, vraiment pour ces pépites vraiment intéressantes vraiment, que tu nous as données. Et on vous attend, on vous attend juste après ce live vraiment pour vous accompagner. Vous allez voir, ce n'est pas juste des choses que vous allez tester. On vous garantit le succès à 300%. C'est-à-dire que quand vous finissez... Objectif, oui. Accompagnement jusqu'à l'obtention du premier client. C'est ça, c'est unique vraiment en Afrique. Donc, nous vous souhaitons vraiment, nous vous attendons vraiment, dès ce soir même, nous vous attendons pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, nous vous souhaitons bonne soirée et merci également pour l'écoute.